Bonjour et bienvenue sur la chaîne Picomaniac, dédiée à toutes ceux et celles qui souhaitent réaliser eux-mêmes leurs injections de médecine esthétique. Pour tous les nouveaux qui découvrent cette chaîne et qui souhaitent rentrer en contact avec moi, sachez que je ne réponds plus du tout aux messages sur YouTube depuis quelques mois, parce que pendant près de 2 ans, j'y ai répondu, c'est extrêmement chronophage, et surtout, la plupart du temps, les gens ne prennent pas du tout le temps de s'apercevoir qu'il y a le site laparisiennedu8e.com qui répond à toutes vos questions. Je reste bien sûr disponible pour mes membres, donc pour toutes les personnes qui sont inscrites sur le site laparisiennedu8e.com, et donc ceux-ci peuvent parfaitement me contacter en live sur Instagram. Aujourd'hui, voilà. On a rendez-vous pour une hybride partie. On va donc tester Profilo. Donc les membres qui l'ont déjà découvert avec moi il y a déjà à peu près 2 ans en vidéo. On va refaire donc des injections de Profilo puisqu'il faut de toute façon les faire régulièrement. Avant de passer aux injections, 2 mots sur Profilo. C'est un produit made in Italy qui a été breveté par le laboratoire IPSA en 2017. C'est donc un produit qui est relativement récent, qui a eu un succès fou aux États-Unis puisque c'est un produit naturel, issu en plus de la famille de la mésothérapie, mais qui s'injecte profondément comme les fillers, d'où le produit hybride. Petite particularité, il est fourni avec un schéma explicatif pour les points d'injection, parce qu'on peut l'injecter en fait en mode lifting en faisant les 5 points de base qui donnent l'effet lifting qu'on peut aussi utiliser souvent avec des fillers. Voilà, donc on passe aux injections et je vous invite à me rejoindre tout de suite, on passe à l'action. Donc Profilo, comme toutes les seringues pré-remplies, a donc les 2 aiguilles fournies avec. Donc comme d'habitude, on enlève le petit capuchon, on prend son aiguille, on enlève aussi le système de protection, on vient visser mon bout, voilà. Et ma seringue est donc prête pour les injections. L'aiguille, c'est du 29G, étant donné que Profilo est un produit de 16 mg par millilitre, donc il est relativement fluide. Il est donc injectable avec la petite aiguille fournie avec, ultra fine, d'accord. En général, avec les fillers, on est plutôt avec du 27G. Donc là, 29, c'est très appréciable pour les injections profondes. On prend toujours soin de désinfecter sa peau avant chaque injection. Donc là, je ne me démaquille pas, je ne fais que tamponner avec ma compresse et mon alcool sur mon maquillage, parce que je repars travailler ensuite. Donc au pire, quand vous n'avez vraiment pas le temps de vous démaquiller pour refaire tout le maquillage derrière, vous pouvez faire ça. Idéalement, c'est que votre peau soit désinfectée sur les zones que vous allez piquer. D'accord. Mon chirurgien esthétique m'a toujours piqué comme ça sans me démaquiller. Ce qui peut se passer au pire, si vous avez un petit peu de maquillage qui rentre dans l'injection, ça peut vous faire comme une espèce de petit bouton, comme un petit point noir que vous voyez apparaître au bout de 2 ou 3 jours, vous grattez un petit peu et ça part exactement comme un point noir. Voilà, tout simplement. Voilà, il faut simplement que la peau soit donc bien désinfectée. Donc je commence mes injections, comme je vous l'expliquais, je vais faire mes 5 points d'injection. Donc au niveau de la joue, on part en général sur ce repère, le croisement entre la narine et la pupille de l'œil se trouve à peu près ici. Donc je pars là, j'injecte, je rentre mon aiguille à fond, d'accord. C'est une injection hypodermique. Donc, plus profond possible, on appuie. Donc, moi, je vois déjà que ça gonfle. Il faut sentir aussi un petit peu quand on injecte, on tâtonne comme ça, hein, comme j'explique dans mes autres vidéos. Sentir la dose qu'on met, il faut sentir, voilà, là, le produit, on le sent, là, je commence à sentir. Vous voyez, sur toute cette zone-là, je sens la masse dessous. Là, je suis encore en train d'injecter tout en sortant un petit peu mon aiguille, à peine, pas trop. Voilà. Et donc là, je sens une boule, voilà, qui fait à peu près ça, de large. Ok. Je vais faire la même chose ici, en haut de la pommette. Encore une fois, je rentre l'aiguille à fond. On sent le produit hein, quand on appuie, qui rentre. Il
voir les quantités que vous faites, comme ça vous regardez à peu près votre seringue, et puis surtout à la main on le sent, au bout d'un moment on prend l'habitude, hein. On sent à la main la quantité sous le doigt, ce qu'on a mis, on le sait. Puis pensez toujours à regarder, hein, si, quand vous n'avez pas trop de dextérité au départ, de ne pas tout injecter en un seul point, de ne pas vous retrouver sans produit après. Hein. Voilà, donc là j'ai mon petit œuf ici, mon petit boule ici, tout va bien, il va s'estomper, hein, il ne va pas rester comme ça. Vous pouvez, si vous le souhaitez, appuyer un petit peu, mais sinon de lui-même, vous allez voir qu'il part au bout d'une heure ou deux, il s'estompe. Voilà, donc le fait boule comme ça, un petit peu dur, c'est génial parce que ça donne immédiatement l'effet lifting. Mais ça s'estompe, malheureusement, ça reste pas. Pour que ça puisse rester, il faut utiliser un fileur. Ok, donc même repère, tac, tac. Quand ça ne veut pas rentrer, des fois je fais des grimaces, c'est un peu facile. Là, quand j'ai la seringue de face, forcément, quand on s'injecte comme ça, on ne peut pas voir ce qu'on injecte comme produit, parce qu'on n'a aucune visualisation sur la quantité de notre seringue, d'accord? Donc, le but, c'est toujours de servir de ses doigts. On a la pression au niveau de la main, et puis la quantité qu'on tape là, on sait ce qu'on a mis, on sait que ça ressemble à ce qu'on a mis là. C'est juste logique. Et auquel cas, si jamais ce n'est pas le cas, vous revenez, vous injectez davantage. Je vérifie de bien toujours vérifier de garder suffisamment de produit pour les trois autres points d'injection. Je suis pas sûre d'en avoir assez, même pour faire le coup. Voilà. Il y a les points d'injection. Vous voyez, ça fait deux petites boules là. Ici, je les sens, on les voit pas trop, mais je les sens. Je les ai là. Ensuite, la mâchoire ici. On serre les dents pour sentir vraiment le muscle. On a ici au niveau de l'extrémité, le muscle maxillaire ici. Il ne me reste plus grand chose s'il y a des mollets. Maxillaire. Normalement, on fait après un autre point ici. On peut faire là. Moi, pour l'instant, ici, j'en ai pas vraiment besoin. C'est plus le fait de tirer là. Sinon, donc, les points sont 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Ok. Là, j'ai fait 1, 2, 3. Il me reste une petite goutte. Je vais faire un petit coup ici. Voilà. Et 2. Voilà, donc j'ai utilisé quasiment l'intégralité de la seringue pour l'effet lifting ici au niveau de la pommette. Alors ça, j'avais prévu moi au départ de rajouter un peu plus dans le cou, mais comme je suis relativement habituée et que je voyais bien que j'avais besoin de cette dose-là pour vraiment avoir l'effet lifting, bah, c'est pas grave, je ferai le coup avec un fileur en courant de la semaine. Un mot sur nos économies réalisées aujourd'hui. Donc Profilo nous coûte 400 € l'injection et par zone chez un médecin. Donc pour le visage 400 €, pour le cou 400 € et on a une deuxième session à renouveler 15 jours plus tard. Donc les deux zones 800 € plus la deuxième semaine 800 €, un total de 1 600 € on aurait dû payer pour cette session. Si on est picomaniaque, on trouve Profilo sur estheticfiller.com autour de 100 € et donc les deux sessions nous reviennent en tout à 200 €. On fait donc une économie de 1 400 €. Voilà les picomaniacs, je vous donne en cadeau le schéma qui n'est plus joint dans la boîte de Profilo depuis quelques temps. Voilà, mais bon, en même temps, on peut aussi l'utiliser autrement qu'avec les 5 points d'injection. Je vous fais tout plein de bisous, soyez beaux, soyez belles, prenez soin de vous et à bientôt !